Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour la suite de Way Out, épisode 8. Et je suis accompagné d'Arc Funeral 9, c'est tout. En ce moment, non mais en ce moment il fait chaud, je sors en t-shirt, j'ai l'impression de sortir à poil limite. Et c'est vrai qu'en ce moment il fait très très chaud et je pense que cet été sera rude si tu peux, voilà, pour avoir bossé à Météo France quelques temps. Bref, on avait un choix assez crucial. Ouais. Et Fufu et moi, on n'était pas trop d'accord. On en avait parlé à la fin de l'épisode 7. Fufu, il aimerait essayer un peu le style agressif. Moi, je pars du principe que si on a commencé le jeu intelligemment, ça serait dommage de changer. Alors, voilà. Je vais te dire pourquoi je pense qu'il faut mieux y aller avec le style de Léo. Voilà, on va partir en débat politique. France 3, mettez vos chaînes, vos lunettes et tout ce qu'il faut. C'est que on va rentrer discretos. Le mec, il va tout de suite nous biter. Il y a nos on est placardés sur toutes les télévisions, tous les murs. Même mon fils est au courant. Donc on va rentrer en mode discret en mode « Eh, salut copain, le mec va faire, mais vous êtes joueur du grenier, arrêtez-le, tu vois, terminé. » Alors que si on y va, pam, flingue sur la tempe, on prend le fric, on se casse, ça dure 2 secondes. Ouais, mais là, s'il nous reconnaît, il va discrètement appeler les keufs, on va être dans la merde. Mais non, parce que j'ai le flingue, c'est moi qui ai le flingue. C'est juste que toi, t'es un peu trop sanguin sortir à tire-larigot. Mais toi, tu sortiras jamais. Mais si, bah si, j'ai pas envie de retourner en zonze, on a une mission pour arriver. Moi, je pense qu'il faut le faire intelligemment. Le style de Léo, tu connais, il est trop sanguin. Rappelle-toi que pour une veste, t'as mis une patate à un gars en prison, tu vois. Mais il m'avait trop mal parlé, il avait dit... Il avait rien dit du tout. Ouais, mais... si, je lui parle, et puis il baisse ses yeux. Je lui dis, mes yeux sont là, il regardait mon nez, ça m'a vénère, frère. Moi... Peut-être que t'avais les yeux dans ton nez, je sais pas. Non, mais moi, je pense que faut continuer sur le style de Vincent. Vas-y, pour honnêtement, cette fois, je la sens mal. Bah, toi. Écoute, si ouais. J'ai tort... Les prochaines fois, on fera à ta manière, ok? Ok. J'ai le flingue, t'inquiète pas, on a quoi qu'il arrive un flingue. On va juste voir un petit peu comment ça va tourner. Tiens, tu vois d'ailleurs, c'est bizarre, à mon avis, on va l'utiliser quoi qu'il arrive parce que je le vois en haut à gauche. Tu vois? C'est juste que je pense que c'est moi qui vais avoir un choix. Est-ce que je tue le mec ou pas? Ouais, je pense, ouais. Attends, tu lui demande ce qu'il veut. Il y a un problème? Les mecs, tu sais, ils sont deux autour d'un gars avec un jackhammer. Le truc pas trop louche, tu sais. T'as un problème, gros? Alors? T'as un grand pays, mais il y a tout qui fout le camp. Why is that? Where have you been, man? The gas prices are insane. Oh non, le prix, mon seul point faible. Non, mais tu sais, j'suis en train de me dire que ça se trouve, l'essence est tellement chère qu'il préfère venir prendre de l'essence à pied pour pas dépenser d'essence sur la route. N'oublie pas, mec, que quand tu parlais au mec des travaux, ils foutaient des vents. Et moi, ils arrêtaient, tu vois. Donc, ça, c'est un signe. Ouais. Mais pourquoi t'es énervé? Moi, je lui dis, tu vois, tout est cher. Tell me something I don't know. Maybe I can. I was at another station, about a mile back that way. It had much cheaper gas than this. Là, tu l'éloignes. You serious? Yeah, go on over there. They're much cheaper. Huh. All right. Thanks, buddy. I'll check it out. Le mec, il va faire 2 km pour payer moins cher son essence. C'est terrible. Et surtout que la question que moi j'aurais posée, c'est mais pourquoi t'es là alors? Tu vois, alors pourquoi on est là? C'est comme les mecs qui dépensent, tu sais, qui font 20 km de plus pour un bon d'achat qui leur fait économiser 1 euro. Mais tu le perds en essence de toute façon. C'est ça. Mais bon là il y va à pied donc ça va. Ok, tu vois, des gens s'est débarrassé du gars. Enfin, je me suis débarrassé du gars. Putain, c'est une Martine. Oh non. T'inquiète. Hop, prends un petit chewing-gum gros. T'en as besoin. Un dans chaque narine. Je vais faire les yeux. Attends, faut que je me débarrasse de lui. Don't sneak up on me like that. Sorry. Goumante. Look, I didn't mean to scare you. Well, you did. My apologies, ok. Je viens par derrière. Ok, donc là c'est à toi de lui parler et de le convaincre, je pense. You got a problem? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est cinglé en fait, il observait le. Hey, you okay? Je crois, non? Sure. Ah, vous m'avez bloqué, les gars. Ah non, mon seul point faible! le rayon surgelé, mon seul point faible! Ah, vous m'avez. Je suis totalement kéblo. <You sure? rire> Ah non, mon seul point faible! Regarde! Ah putain. Ok, on ne peut pas le bouger là? On peut pas le bouger. Ok, attends, bouge pas, y'a quoi là? It's been too long. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues? Ah, tu fais de la pêche? Bah alors, ouais. Tu kiffes les bons moments. Ah, c'est vrai que le harpon c'était pas ton fort. Ah, peut-être que le moulinet c'est ouais, un peu plus. Ouais, c'est vrai. Tu te fous de ma gueule là par contre. Pas du tout. Bon, on a pas réussi à se débarrasser de lui et ça c'est chiant. Je pense qu'on peut encore essayer, non? Attends. Prends un chewing-gum, mec. J'ai pris un chewing-gum à la menthe, il a aimé. Does this place have a lot of business? En vrai, je vais reprendre un. Yeah, I guess so. Why? Bon, apparemment, il y a.
Il y a... Alors, je peux lui dire de partir, en fait, directement au gars. Mais si je lui demande de partir, ça va faire super. Non, ouais, laisse-moi, je vais m'en occuper, moi. Attends, j'envisage d'acheter. C'est les mecs les plus louches au monde dans un supermarché. Tu sais, ils sont à chaque fois à deux pour parler à un gars. Alors Ok, donc il t'a dit quoi d'intéressant? Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient ici. C'est avec eux que ça a parti en couille, tu sais. Ouais, c'est surtout eux. Je pense que le coffre, il tiens, est regarde. Dans le bureau, là. C'est moins cher ailleurs. Je fais la même technique que l'essence. Ouais. Oh, really? There is? Yeah. It's about a 10-minute walk from here. You just follow the road down that way. Ah, that's great. Thanks for the tip. Putain, on a réussi à se débarrasser de tout le monde sauf l'autre pervers, là. Fais chier. Putain, on a foiré, Fufu, je suis deg. Donc, genre, attends, gros, je prends une bouteille, je la bois. Putain, c'est chiant. Attends, bon, allez, c'est pas grave. Écoute, je m'occupe de... Ah non, c'est moi qui ai le flingue, peut-être toi lui parler. Mais le problème, c'est que toi, t'es trop sanguin. Et en plus, t'es con sanguin. Excellent. Excellent. Mais attends, je suis en train de attends, je vais un peu la gueule, là. Can I help you with something? Coup d'œil. No, ma'am. I'm just browsing. Donc je parle, moi, j'y parle. Ouais, vas-y, parle-lui. Écoute-moi bien, connasse. Parle-lui, fais pas commencer le casse. Nah, putain. Ah, c'est toi qui as le flingue, donc c'est toi qui es obligé de le commencer le casse. Ah, okay. Kek. Vous êtes belle. Ah, je peux la draguer. Vas-y, drague-la. I don't know. You kinda look nice. Oh non. You don't look too bad yourself. Vous êtes pas mal non plus. Attends. Bouge pas. Too bad I'm married, though. Mais quel connard. I guess you can't have it all, right? Le mariage, ah, bon seul point faible. T'es vraiment jusqu'au bout de Trizo. Vas-y, je m'en occupe un jour. Allez, laisser le flingue. Vas-y. Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. Attends, qui est derrière? You're wasting your time. There's barely any money in there. Je regarde la situation. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Ah, je peux pointer. Et vu qu'il y en a qu'un à gérer... Voilà. Oh, let me go. À l'aide. Vincent. Get over here. Voilà. Putain, mais débrouille-toi tout seul, bordel. Fais gaffe, va la pointer. Je t'avais dit qu'il fallait faire ça à la sanguin. Ok, elle avait un autre flingue, j'ai un double flingue. Double Beretta Kimbo. Attends, c'est quoi le code du coffre? Il s'échappe. Ok. Give me the combination. Give me the fucking combination. I don't have it. Oh, elle fait genre, elle connaît pas le code, putain. M'obligez pas à tirer avec mon nez. Don't make me do something I'm gonna regret. Give me the combination. Fine. Ok, donc je peux pas les tuer, moi. Ça met une croix. One, ok, alors que three, toi, t'aurais pu, je suis sûr. Peut-être. Combien le code? 1-3-7. Vas-y, bombarde. Oh, ils l'ont écrit au cas où j'étais un peu trop demeuré, tu ouais. Il y a plein de chiffres. C'est bon, j'ai pris son flingue. 1... Lui, je le surveille au cas où, ce petit bâtard. Oh putain, ça sonne! Bombarde, hein. T'as besoin de moi? Oh non, c'est bon. Sans faire, viens vite. Oh, on est large normalement, on est large. Et quand par hasard t'as appris, tu prenais son donut dans le restaurant derrière, tu sais. Le mec, je suis en train de crier. Dépêche, Léo! Ouais! Bah, défile le flag! Fais tout péter! Ah, oh cake. Là là. Il est foutu. Pendant un truck, c'est mon seul point faible. Eh ben, va conduire le truck. America! Ok. Ici le central, j'ai besoin d'un constat, rapidement. Oh. Yeah, no problem. En vrai, ça s'est bien passé. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. Alright, see you there. So, we got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart.
My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoia. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah, yeah. Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Ok. Je m'en occupe, interviens pas. Non, 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 arrête tes conneries. C'est ma pote, gros. Elle a une dette envers moi. Voilà. T'es sûr? T'es sûr, hein? Tout va bien se passer. Et là, tu meurs, je rigole. Tout va bien se passer. Who the fuck is this guy? Whoa, 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 relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. La tête que t'as, putain. I told you, he's with me. Let's just do this, fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay. But it's the last time. And then we're even. Here. This should be more than enough. Hurry up. Ok, tu crois qu'on va choisir une arme et l'essayer, partir quand vous êtes prêt. Damn. Ok. Attends. Oh bah moi je prendrais bien le MP5. Mais tu prends quoi, M16? Bah attends, je vais tester. Je pense que si quelqu'un prend le snipe, ça fait une situation différente. Genre toi t'observes de loin, tu tires la carabine, tu vois ou pas? Ah peut-être. Ah ça peut être pas mal, on peut essayer. Attends. Nice. Ok, MP5. Première phase de shoot dans le jeu concrètement. En plus, il est gaucher mon personnage, j'ai l'impression de jouer à CS 1.6, tu vois. Et ton personnage aussi, il est gaucher, non? Attends, bouge pas. Non, il est droitier. Non, moi, il est gaucher. C'est terrible. Ah putain, t'as vu, mec? On peut faire roulade et tout? Oui, c'est tiré dessus. Vas-y, viens, on joue. Les mecs, ils ont tué les deux. Ok. Ouais, bon, c'est bon, mec, on sait jouer à un jeu d'action, quoi. Enfin, je veux dire, vas-y, pas de soucis. Par contre, c'est 3 coups par 3 coups, cette arme. Ah, lancer des bouteilles. Mec, viens, je te lance une bouteille. T'es prêt? Attends. Vas-y, prends, vas-y, ouais, c'est pas mal, ça. Je vais l'acheter là-bas, hein. T'es prêt? Vas-y. Ah ouais, t'es gaucher, c'est méga stressant. Poule! 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 Attends, je prends la soupe. Poule! Vas-y, c'est bon, j'ai la soupe. T'as failli m'arracher, gros. Poule! Oh! La soupe, mon gars! Oh putain, l'auto-aim incroyable quand même. Eh, c'est là qu'on voit la différence. Attends, vas-y, je te poule un truc. Moi, je garde le MP5, je pense. Moi, je prends la car, je pense. Ou bien j'hésite à te prendre. Attention. Hey! Oh putain, mec. Hey! I didn't know you could shoot. Hey! Ouais, je prends le MP5. Tu prends quoi, la carabine ou pas en vrai? Je pense que je vais garder la carabine, moi. Et puis je tirerai à la souris. Oublie pas pour reload, hein. Ok, vas-y, viens, on se casse alors. Attends, je suis au volant, hein, parce que t'es un peu trop sanguin, ça peut partir trop vite. Ça peut partir en burn-out.
Oh, le regard de ténèbres, quoi. Alors, tu vois, à contrario, dans la prison, quand on devait s'évader, s'entraider et tout, j'ai bien aimé. Dans la station essence, j'ai bien aimé parce qu'on avait des scènes à choix. Mais il n'y en a pas assez, je trouve, en fait, jusqu'ici, tu vois ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost me. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Bah, c'est beau. On doit trouver quoi là? Tu dois téléphoner pour trouver un avion. Oui, en vrai, c'est pas dégueu par contre. C'est archi beau ici. C'est dommage qu'on puisse pas partir bien loin, mais c'est pas dégueulasse. Vas-y. Quoi? Moi je me casse. Allez, salut. Ah, je pars. Ah, j'ai pas de monnaie, mec. Demande au clochard. Attends, je vais au kiosque. On peut y aller en fait. Je vais au kiosque de l'autre. Ah, il est là. I didn't. Bad move, man. Did you fucking mind? We're talking. La gueule qui est là à gauche. Ok. Hello. Can I help you with something? Yeah. I need some change to make a phone call. Someone understands me. Sorry, but you have to buy something first. I'm not the one you should apologize to. Fine. All right. What do you recommend? I'm really, really sorry. I don't know. Ah, I have some top-notch girly magazines. I'll pass. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Jesus, man. Here you go. You're welcome. Thanks. Just leave me alone. Ouais, il a de la chance, hein. C'est bon, j'ai la monnaie, mec. C'était comment la guerre? But seriously, you look like shit. T'aurais pu lui demander, hein, je crois que tu faisais pas partie de... Hey, man, are you deaf or something? Oui, c'est possible. Fuck alone, so I can sleep. Can do that. So what do you want? Je t'éclipse un petit à petit, hein. Vas-y, éclipse-moi toujours plus. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Je crois qu'on est observé. Okay. Il y a quelqu'un à l'extérieur de la cabine qui veut écouter notre conversation. C'est dommage, on me voit pas, je voulais trop faire un tintin. Ah merde, j'avoue, putain. Mais ça a pas marché, c'est pour ça que j'ai couru. When?
Where is she? Des bandes noires. Thanks. Mon seul point faible. Bon, mec, ma femme est à l'hôpital. Je te propose qu'on prenne un avion, on atterrit sur le toit de l'hôpital, je vais la voir. Je lui fais un bisou, on repart en avion. I'm fine, but I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there, all right? Je suis avec toi. We come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. I can't talk about it. Ils ont envoyé un T-2000. Dark Honor. Okay. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! We gotta get out of here! Ah, les mecs, ils savent vraiment pas viser. Oh, moi, ça me rend fou, putain. Et c'était leur meilleur gars. Bah, en même temps, il tient son gun comme un gangster. Ça me rappelle une partie d'Airsoft où j'ai bien rigolé, ça. Putain... Allez, vas-y, cours. De toute façon, je vais pas tirer, hein. Il est où mon pompe là? Ok, j'ai. Leo, hold on. I'll help you barricade the door. Ah d'accord, toi tu cours alors que tu dois m'aider à barricader la porte. J'arrive. Ah non. Ah non, je suis tout seul. Oh là, on voit sa caméra. T'inquiète. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Ok, mec. Up there, the vent. I see it. Allez, le vent. On retourne dans la grille de ventilation si ça te gêne pas. Attends, il y a forcément une caisse, voilà, vas-y bouge. T'as pas besoin d'aide. N'importe, non mais le gars il tire dans une porte blindée gros. Vas-y, vas-y. Ok. Us, vas-y. Vas-y, avance. Et le bateau navigue vers l'océan. Us, c'est bon, stop. Et là, donne-moi la main. Ah, désolé, ma fuite a foiré. T'es où? Get over here, I'll help you up. Dépêche-toi. Ah non. Ah, tu le vois faire en fait, hein. Ouais, il a. C'est bien la place d'un timing, tu vois. Tu viens? Hop, faut venir, hein. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est bon. Je suis en train de me regarder. Ah, tu risques de prendre une petite balle dans les fesses? Non, ça va, on est large. Non, t'inquiète. Je me suis mis de profil. Tout est calculé. Ah merde, de profil, c'est comme si c'était de face en fait. Il a combien de balles dans son chargeur lui? Il a beaucoup de chargeurs. C'est un manteau de chargeur. Non mais regarde, il tire comme un T2000. Zarkonneur. Zarkonneur. Et comment on va devoir l'arracher là? Je ne comprends pas cette supposition. Bah on va... Ah merde, je suis pas Oh non, oh. T'es nul à chier, putain. Mais j'ai regardé ton écran pensant que c'était le mien. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi t'as regardé mon écran? Je sais pas, ça me paraissait mieux que le mien. J'ai dit putain, j'ai un petit barbu, il est sexy. Allez go. Mais plus quand c'est silencieux, ça fait piou 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 là. Oui. Après, tu sais que ça c'est dans les films et les jeux, hein. Oui. Ça a un petit côté Sarah Connor, tu vois. En plus, il a le petit blouson en cuir. Ah oui, et puis un truc, une question que je me posais, tu vois, Harvey, il était en costard. Ouais. Mais ils se mettent jamais en short chez eux. Genre, on dirait que les mecs qui ont des villas dans les films de méchants, ils sont tout le temps en costard, même bah, chez eux. Non, parce qu'il y a toujours du monde chez eux. Ah oui, c'est vrai. Ah, vas-y, vas-y, va derrière, mets-toi derrière. Vas-y. Allez. Non mais il tire vraiment comme un T2000 hein. Regarde la gueule qu'il a. Yeux, abruti. Il n'y a aucune expression. Oh t'as fait. J'arrive. T'as encore le 2v1 qu'on va perdre. J'arrive. Oh non, un Terminator. Il a une structure en acier. Let
let him go, you son of a bitch! Ok. Tiens, prends ma chambre à air de vélo, enculé! Vas-y, on encule, hein. Pourquoi je peux pas aller plus vite, putain? C'était ça leur meilleur gars? Eh ben. Aisé. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know, you're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right, then. Let's go. You know, I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Allez, on va s'arrêter là. C'était bien cool. Nous voici donc à l'hôpital. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, eh ben c'est cool parce que je pensais vraiment que en achetant les armes, on était vraiment à la fin. Et finalement, je pense qu'il nous reste encore un petit bonhomme de chemin. Ouais, je pense. Mais il va falloir qu'on aille jusqu'à l'avion. Je pense qu'on va pas nous laisser aller là-bas. Ouais, 2-3 heures encore bien de jeu. Ouais. En tout cas, d'ailleurs, c'est bien cool. Je me suis posé une question. Cet épisode pour ton était personnage. Sympa. Ouais. Bah tu vois dans le journal, on te voit avec des cheveux et une barbe comme ça. Pourquoi il se rase pas les cheveux et la barbe, on le reconnaîtrait plus? Non, mais après le faciès c'est différent parce que je pense que tu reconnais quand même. Ouais, mais genre moi, être full chauve. Non mais tu sais qu'il se rase le crâne un peu à la Max Payne, tu vois, quand il se rase et tout pour pas qu'on le reconnaisse. Bah oui, mais bon toi tu te rases le nez, on te reconnaît plus gros et pourtant tu le fais pas. C'est pas très gentil ça. Donc on va se laisser. Non, cet épisode était vraiment cool. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur A Way Out. On vous fait des bisous. À très bientôt tout le monde. Ciao ciao. Peace.